Si toi aussi tu aimerais bien essayer ce véhicule complètement dingue, eh bien abonne-toi. Sinon, eh bien c'est l'heure de ton Automoto Express. Déjà une McLaren 765LT en moins. La scène se déroule dans une station essence de Pennsylvanie aux États-Unis. On ne connaît pas encore la cause exacte de l'incendie, mais il semble lié au ravitaillement de carburant. Et comme tu peux le voir, les flammes ont ravagé la supercar anglaise. C'est triste, surtout quand l'on sait qu'il n'y a eu que 765 exemplaires et qu'elles ont toutes trouvé preneur. J'espère qu'il était bien assuré. C'est le sujet de la question du jour. Penses-tu que McLaren fera un 766e exemplaire? J'attends ta réponse dans les commentaires. Encore énormément de réponses hier à la question du jour sur quelle voiture aimerais-tu te construire et vous avez tous répondu des voitures de légende. Ferrari 330 P4, McLaren F1, Ford GT40, Ferrari F40, Alpine A110, que des voitures qu'on aimerait tous avoir dans notre garage. Mercedes CLS, on connaît les prix. Un mois après son restylage de mi-carrière, Mercedes dévoile les tarifs et les caractéristiques de son coupé 4 portes. Trois motorisations sont disponibles. CLS 220D, son 4 cylindres diesel de 194 chevaux, 77 750 euros. CLS 400D, 4 roues motrices et son 6 cylindres diesel de 330 chevaux, 97 600 euros. Et CLS 53MG, 4 roues motrices et son 6 cylindres essence de 435 chevaux, 103 200 euros. D'autres moteurs seront peut-être proposés dans le futur. La BMW 128 Ti à la traîne sur circuit. Pour rivaliser avec la Golf 8 GTI, BMW a imaginé la 128 Ti, une traction de 265 chevaux. Les Allemands de Sport Auto l'ont essayé sur le circuit d'Hockenheim. Elle boucle le tour en 2 minutes, 7 secondes et 2 dixièmes. Il ne faut que 2 minutes, 5 secondes et 6 dixièmes pour la Golf GTI. La hiérarchie était la même sur notre circuit Automoto avec Anthony Beltoise au volant. Petit rappel, la Golf ne développe que 245 chevaux. Comme quoi, ce n'est pas toujours la puissance qui compte. La plus rapide des Lamborghini Huracan. Les événements de drag race sont légion aux États-Unis. Et certaines fois, on découvre des autos complètement folles, comme cette Huracan. Le V10 de 5 litres 2 qui peut délivrer jusqu'à 640 chevaux a laissé place à un monstre. Un monstre inconnu qui délivre plus de 3000 chevaux. De quoi abattre le 0 à 100 en 1 seconde 6. Rien que ça. C'est fini pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous demain, j'espère que tu seras là. Allez, ciao!